Avant, mais qui a conservé quand même ses caractéristiques initiales, l'ancienne écurie, dont Aline s'est servie comme premier atelier dans les années 50. Et je veux remercier tout de suite M. Georges Guillet, qui est propriétaire, parce que l'atelier en question est un bâtiment annexe derrière chez lui, derrière la rue Laurier. Alors, tantôt, on pourra vous montrer le chemin. Bon, sur place, on va dévoiler une plaque en l'honneur de Mona Lee, et on va prendre particulièrement pour essayer de monter une activité intéressante qui pourrait, en quelques heures, nous permettre de connaître l'essentiel de la carrière de Mona Lee. Il y a des collectionneurs qui nous ont prêté des œuvres également pour les gens. Alors donc, c'est un voyage au cœur de cette œuvre polymorphe là, que j'aimerais vous faire passer. On va commencer en fait parce que j'ai un... Aline, so en anglais il est honorable. He painted here while studying at the Quebec École des Beaux-Arts and until his departure for France in 1955. Et là, c'est signé le Club des collectionneurs en arts visuels de Québec, Marc Bellemare, fondateur.